Le squelette devra être sous cour les champs, vire parmi la fange de fossé profond, une carcasse humaine dont la feinte orbe d'un loup fugace venait de disloquer l'ossature à demi. La tête intacte avait un rictus ennemi qui nous attriste, nous énerve et nous agace. Or, peu mystique, nos capitaines fracassent, songeaient John Falstaff lui-même en eût frémi. Qu'ils avaient bu, que tout vin bu filtre et ses gouttes, et qu'en outre Samar avec son chef béant ne serait pas fâché de boire aussi, sans doute. Mais comme il ne faut pas insulter au néant, le squelette s'étant dressé sur son séant, fit signe qu'il pouvait continuer leur route.